Coach talked about experience, and you said that this is the first time you're at this competition. Tell me, how much did experience play a part in this game today? Bon, vous savez que peut-être qu'on a des filles d'expérience, mais vu le niveau de jeu qu'on a vu aujourd'hui, et l'équipe en face était 12, alors que nous, dans notre équipe, on était 9, avec des blessés, tout ça, ça joue. Alors, ce que je peux dire, que on fait ici d'abord, je fais ici mes coéquipières et l'encadrement technique, parce que de Dakar à Maputo, ce n'était pas facile. On a eu à traverser beaucoup de choses, on s'est sacrifié, on est venu. C'est un début, c'est encourageant, parce qu'il faut que les équipes participent. Pour nous, les Sénégalaises, il faut qu'elles participent à ce genre de championnat. Alors du coup, ce que je peux dire, qu'on reviendra encore plus fort. On va se préparer encore là, encore, Inch'Allah. On va gagner le championnat au Sénégal pour pouvoir revenir l'année prochaine, Inch'Allah, plus fort. The coach talked about rest and preparation for the next game. What does that look like for you? What does rest and preparation look like? Pour nous, à la Ville de Dakar, on joue match par match. Le match fini, c'est passé, on oublie, on se concentre sur le second match. Comme coach vous l'a dit, on va se battre, on donnera tout ce qu'on a, Inch'Allah, demain pour gagner le match. Parce que c'est un championnat, c'est pas un seul match. On a une bonne équipe de Kenya et Inch'Allah, on sera prête, Inch'Allah, pour demain. Et si Dieu le veut, on voudra gagner le match, Inch'Allah. Merci. Merci, thank you so much for joining.